contagious. We're everywhere you go. Ok, salutations, salutations, salutations. Alors, hop là. Le temps que ça démarre, c'est parti pour un tour. Oui, oui, oui. Let's go. Oi, 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 oi. Salutations, salutations. Yeah. Comment ça va?
J'ai refait la déco. Là, on est dans la place préférée déco. Là où il te trouve habituellement, vous voyez. La cuisine. Alors, ça marcherait pour d'autres personnes aussi, mais bon, après, on va me dire des choses et j'ai pas envie qu'on me. Hein? Bref. Ok. Comment que ça va depuis la dernière fois? Non, mais je sais que le son il tourne encore, il n'y a pas de souci, hein. Aïe, 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 aïe. Ah. Alors, mes mains elles sont mortes là, y a pas trop de soucis à se faire. Ouf. Allez, on est parti pour un tour. Donc là, on était parti pour du Alix Alpha. Alors, est-ce qu'on va faire autre chose après? Je sais pas trop. C'est fort possible qu'on détourne sur un Beat Saber ou sur un coup de piano, je sais pas trop. Tac, ok. Ok, let's go. Hop là, alors. Le casque, il faut vraiment que je règle, hein, finalement, parce que là. Hop là. Ok, donc là, le casque, nickel, je crois. C'est pas grave. Hop, et donc, du coup. Bah, ça, du coup, c'est chez Tesla. Le décor d'heure est pas. Enfin, on dirait un décor. Un vrai décor, hein. C'était donc ça. Ok. Est-ce que ça fonctionne correctement, ça? Faut que j'essaye, hein. C'est un petit peu haut. Ça marche. Nickel, mais en vrai, c'est trop bien foutu. T'as vu, Echo? T'as vu où est-ce qu'on est? Ton royaume, mec. La cuisine. On peut pas interagir, merde. Attends, mais. Ah. Ah, par contre, c'est pas. Ah. Non? Bah, voyons donc. Mais tout est bugué, hein. Ah. Bon, c'est pas grave, finalement, hein. La place déco, c'est la cuisine. Hop. Alors, je vais peut-être mettre un petit peu de musique de fond, on sait jamais. Je sais pas, vous en pensez quoi? Une petite musique de fond pendant qu'on joue, pas hein. Là, du coup. C'est pas beau? Alors, finalement, je rajouterai des jeux, hein, au fur et à mesure, évidemment, mais pour l'instant. Bah, Alix, hein. Strike. Comment ça, Strike Echo? Non, 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 hey, pep, 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 pep. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. On n'est pas obligé, hein, mais c'est une question. Est-ce qu'il faut mettre de la musique ou pas en fond? Ça va. Abort, bah on fait pas là, on fait pas, on fait pas. Abort mission, abort, abort. C'est pas grave. Ah, ça dit oui, mais un pour un. Eh ouais, Echo. Half-Life c'est cool, mais tu vaux 1000 mec. Après, j'avoue, t'es donateur. Hein. J'avoue, t'es donateur, follower et en plus, t'es modérateur. Mais faut faire un 50-50. On va jouer à Flucky. Hein. Le problème, c'est que Flucky sur ce. Voilà, musique, bonne idée. Hein. Le problème, c'est que. Flucky. Bah voilà, va pour Flucky. Le problème, c'est que j'avais une application qui. Bah, tu sais quoi, attends. Attendez. Attendez, on annule pas tout, mais. Ah! Ah! En pile ou face, en vert. Bah bien sûr, Echo, bah bien sûr. Toi, t'es pas le dindon de la farce pour rien. Lance un truc en vert. Ou alors, parce que j'ai lancé une application, vous voyez, là, ça va arriver. Tac. J'aurais dû le faire juste avant, attendez. Faut que je retrouve. Quitter le jeu, ok. On va revenir sur la bibliothèque, c'est pas grave, ça va arriver. Et là, du coup, j'ai installé une dinguerie Echo. C'est pareil que ce chat-là, mais en mode sur le bras. Et là, la différence, c'est qu'au lieu d'avoir seulement le chat comme ça, avec les alertes et les mentions et j'en passe, t'as carrément mon écran de PC. Alors, est-ce qu'on peut lancer un Flocky dessus? Oui. Est-ce que ça marche? J'ai pas essayé. Alors, put. Je flex, hein, mais. Attends. Eh ben, let's go!
Ah, c'est parce qu'il est là, voilà, bien. T'es quoi? T'es mal à Rolex. Sacré Rolex, hein. Hop. Donc là, du coup, vous avez mon écran, ok, de PC. Hein. Pas de souci là-dessus. Tac. On va essayer de se diriger directement vers. Vers. Je sais pas. Ah. On va changer le contenu. On va passer directement sur. Qu'est-ce que j'ai intéressant Netflix? Non. Team Tanuki. Ouais, on peut. Hein. À la limite. Hop. Tant qu'on cherche l'application. Tu peux choisir. Ah, attends, Echo, c'est pas encore décidé. Hein. On avait dit oui ou non. Et toi, tu dis oui directement. C'est un malade celui-là. Hop. Flucky, je sais plus comment s'écrit. Flucky, voilà. Ok, c'est parti, c'est parti, parti. Musique, pas musique, musique, pas musique. Alors, je tape très lentement, j'ai plus qu'une main, je sais pas pourquoi. Ah bah si. Hop. Musique, hop, et... Bah, pas musique. Ah. Ah. Je galère comme je sais pas quoi. Pas musique. J'écris en anglais parce que je suis English. Ok? Let's go. Alors qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne? Ouais. C'est parti, le premier tour est gratuit. C'est mon premier tour est gratuit. Ouais. Alors attention, qu'est-ce que ça donne? Musique, pas musique, pas musique, pas musique, musique, pas musique. Ouais, quelque chose de cheap, du style Lofi. Musique, bah ouais, voilà, Echo, musique! Tout le monde dit de la musique! Comment ça, pas de musique? T'es mal, tout le monde crie là! Ouais! Musique! Voilà, ça c'est ce qu'on veut, Echo, de la musique! Allez, coupe-moi ça! On met de la musique de fond! T'inquiète, Echo, du loupi, ça va suffire! Hop! Alors maintenant que j'ai fait mes conneries, faut que je répare tout parce que l'application, faut que je la ferme, je suis plus flex avec mon bracelet, hein. Ma petite Rolex! Dis-moi, sa pose Rolex, elle est même pas réglée. Elle est même pas à l'heure. Comment t'as pu lui faire confiance? Hop. Alors, où est-ce qu'il me l'a caché? Hop. Alors, je vais pas dire le son est assez fort, il est pas assez fort. C'est vraiment très très faible, hein. Et ouais, Echo, il y a un clip qui vient d'être fait, mais je peux pas le regarder directement, malheureusement. Ou alors faut que je reflexe avec ma Rolex, mais je l'ai plus, tu vois, elle a disparu. T'es mal la Rolex, elle n'est pas réglée. Ah. Le son m'a l'air ok, à vous de confirmer. Bon, pas bon, bon, pas bon, pas bon, bon, pas bon, bon. Pas de bonbon. Ma main est morte en même temps. Oula. Let's go, let's go. Alors, d'où qu'on est, c'est encore autre chose. Nickel, parfait. Je peux bien mettre un pouce, mais mes contrôleurs, ils veulent pas, ils sont pas assez significatifs, entre guillemets. Time out, working, bon ça c'est pas très grave. Moi, je veux que ça fonctionne, mais tout le monde ne veut pas que ça fonctionne, c'est ça le problème. Là, j'ai mon Steam, il veut pas. On est reparti pour un tour. Hop là. Pas d'erreur, Valve, je te vois arriver d'ici. Nickel. Alors, du coup, je vous avoue, la Rolex, je l'ai installée, genre, il y a peut-être 2 mois. Je vais tout couper, ça m'énerve. J'ai peut-être installé il y a 2 mois. Et genre, j'ai vraiment commencé à l'utiliser ou j'ai lancé une seule fois. Quand est-ce que j'ai utilisé? Bah, il y a 15 minutes. Il y a 15 minutes seulement. Là, le problème, c'est que je dois tout relancer. Alors, tac. Du coup, il y aura un écran noir, c'est normal. C'est normal, l'écran noir. Parce que tout est censé fonctionner.
Voilà, donc là il y a mon PC tout simplement avec mon setup sympathique. On va lancer quelques applications simplement à voir ce que ça donne. SteamVR, parce que SteamVR c'est l'une des applis les plus buggées de la Terre, mais c'est la seule qui fait de la VR, donc on fait comme on peut, j'ai envie de vous dire. Hein. Ça va arriver, ça va arriver, ça va arriver quand je serai sur SteamVR. On a le temps, on va lancer Half-Life directement, on perd pas de temps. Chut. Allez, en haut. Let's go, ça va arriver. Pour le chat, j'ai pas encore la vision. Ça va arriver, ça va arriver. Ah là là là. Peu de patience. Mon Dieu, ça va charger, ça va charger. Voilà, je suis de retour pour vous jouer un mauvais tour. Avec Valve. Eh ouais. Let's go. Donc pour les messages que j'ai ratés, je vais regarder directement sur mon PC, je vais pas perdre de temps, sinon ça sera un petit peu bête. Et puis y a pas beaucoup de monde déjà si je commence à louper les quelques messages qui sont apparents. Toujours la cam et le masque, Echo, je viens de voir. Bah t'as le temps, pépère, t'as le temps. Tu sais, je vais faire un avatar 3D là. Tous les gens qui font du VR, hein. Ils ont un avatar. Ah, qu'est-ce qu'il faut pas faire? Donc là, où est-ce qu'on en est? On a commencé dans les quartiers tout en bas là-bas. On a enfin nos streams verts, Echo, tu vois, je vais me faire un perso vert. Mais tu sais que j'ai les applis pour, mais j'ai pas la tête à le faire. Hein. Enfin, j'ai pas le temps non plus. Là, du coup, on a commencé tout en bas, là, au niveau de la ville. Je vais pas me trop m'approcher parce que mon PC va me faire... Ish! On a spawn là-bas et on monte tout là-bas jusqu'au point jaune, justement. Voilà. Alors, question, c'est est-ce que tout était réinitialisé? Non, j'ai mes munitions, j'ai ma vie. Ah, pourquoi il n'a pas cherché la dernière fois, il était resté bloqué, j'ai oublié de sauvegarder? Où est-ce que je suis? Hello? Echo! Go! 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 Alors, Alix, c'est quoi? Jeu typé post-apocalyptique, j'ai envie de vous dire. Même si c'est dans un monde futuriste, j'ai jamais joué à un jeu typé. Ouais. Ah. Typé Half-Life, excepté Garry's Mod, parce qu'il y a quelques personnages et c'est le même moteur, si j'ai bien compris. Même moteur graphique. Mis à part ça, bah, j'ai pas vraiment joué à plus. On doit être à un quart du jeu, si je dis pas de bêtises. Sauf que j'y connais rien, je saurais pas vous dire. Voilà! Il a pris mon masque! Et mon chapeau! Bah alors toi! Là aussi, hein! Ah oui, j'étais mort là parce que j'avais fait la même folie! C'est vrai! Je meurs deux fois de la même manière! Oh! Et puis les chevaux dans le casque. Ah. Non, c'est pas la bonne main. Ok. On est bon. J'essaie de pas mourir encore une fois, ce serait trois fois la même mort. Ce serait bête trois fois la même mort quand même. Enfin, ce serait pas très pro. Et en plus là, j'ai encore mon masque. Let's go. Et mon casque. Hop là. Bon, déjà que la verse donne un petit peu chaud, alors là. Oui. Si je pète juste. Ah, mais. Ah, c'est ça le problème, c'est que si j'en pète un, tout le monde pète. Donc. Moi, le premier, parce que ça va péter aussi. Hein, toi, tu vas péter. Hein, toi, tu vas péter, hein. Toi, tu vas péter, hein. Pas vrai, hein. Et là, on peut passer par là? Non. Eh ouais, c'est trop facile. Là, du coup, faut taper les esquives avec une manette qui fait des pas en arrière sans raison, genre. Ok. Allez, let's go. Yeah. Voilà. Hello. Hello. Bon, ça va. Hop. Ok. Il y en a beaucoup, hein, des bébêtes, hein. On esquive. On a qu'une petite lumière pour nous repérer. Hop là. Ah, c'est mon chipé des affaires, là. Ça m'a l'air ok, hein. Oh là! Salut toi! Oui, bah. Let's go!
Ouais, là du coup il nous faut une manivelle là. Oh! Mon micro il a pris sa grosse quiche Lorraine et je crois que mon pistolet il a pas aimé. Il me reste une balle. Non, faut pas faire ça, ça va consommer la dernière balle. Ok. Il me reste 30 munitions. Ah, t'as vu Loubar? Ils font exprès de mettre ça ici pour pas que je tire dessus. Non! Non, 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 non! Hop, 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 hop. Hop, voilà. Faut pas que je tire dedans parce que. T'as vu ça? C'est des malades, déco, hein. Allez, par contre. Voilà. Attention, personnage, attention. Ça, je veux dire, poussez-vous. Poussez-vous. Nya. Là, il y a une poignée. Est-ce qu'on passe par là ou est-ce qu'on s'en va? Alors, faut qu'on prenne ça. La question, c'est est-ce qu'on passe là-bas au fond ou est-ce qu'on passe par derrière, Echo? Ou n'importe qui, hein. Je dis ça parce que je connais pas tous les pseudos et parce que là, il n'y a plus rien qui s'affiche. Au secours! Où est-ce que je passe? Là, par contre, c'est sombre, hein. Et je vois des bébêtes au-dessus. Ah, mais y a personne en plus, hein. Nom de Dieu! Bah, c'est réglé, c'est fermé, c'est réglé. Let's go! Oh, par contre, là. Belle bête quand même, hein? Mon Dieu! Ok, un bon travail, ouais. Oh, ça a l'air cool d'être comme ça. Ok. Let's go, hein! Parce que se battre là-dedans, ça va être une barre, ça va être un bordel, hein. Salut toi. Oh, il y a un monstre là. Oh là là. Je passe en 3 par 3. Ah, il m'a touché. Ah, ma lumière. Ok. Ouais. Ouais, c'est que c'est piégeant parce que si je tire sur une bonbonne, bah ça pète et je me fais défoncer. Si je me prends une bébête, bah quick. Là-bas, il a un truc dans l'épaule, hein, je sais pas ce que c'est. Il y a un truc là-haut. Ah! Ah, il a une. Il a du heal! Donne-moi ça. On voit pas grand-chose, hein, mais. Hop, je me pique. C'est bon. Il me reste encore deux dans les mains, de toute façon. Là-bas. Ok. Il y a des trucs dans les conduits, non? J'entends du bruit en masse. Hop. Des munes. Hop. Des améliorations d'armes. Encore des munes. C'est ce que ça veut dire, beaucoup de munitions et beaucoup de barils explosifs, hein? C'est pas bon signe. Ok, j'en vois peut-être la fin. C'est pas bon signe du tout, cachez-vous. Après ça, il n'y a pas de baril explosif à côté, donc techniquement ça passe. En un par un. Eh ouais, mais tout pète, c'est nul. Alors peut-être que ça veut dire que je dois tracer tout droit. Parce que du coup, il y a une de ces ranges d'explosion, mon pote. Damn! Damn la range, damn! Waouh, on n'est pas sorti, je veux dire des égouts, mais ça pue comme expression, on n'est pas sorti des égouts. Ok, on est reparti pour un tour. Hop, là-bas, donne-moi ça. Hop, hop. Ok. Pareil. Alors, est-ce qu'on zouk le zombie et on se dépêche de passer? Ou est-ce qu'on passe en mode. Mais en plus, ça s'attire, c'est nul. Alors, c'est lui qui le pousse. Ah, faut que je parte vite, hein. Tout va péter! Ouais, bah.
Et ouais, ça, c'est trop lent. Faut que je trace, c'est compliqué. Il n'y a pas de porte de secours en plus. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Moi, ça me semble compliqué à faire ça. Là, ça me semble compliqué. On en revient toujours au même endroit. Hein. Tac, tac. Alors, pas de marche arrière, ça c'est certain. On peut trouver un moyen de récupérer le levier. Enfin, le levier. Parce que super rapidement, il faut le récupérer. Ensuite, il faut savoir l'utiliser pour partir. Et limite, refermer la porte, je pense. Donc lui, il faut que je l'évite. Même s'il a des munitions dans la poche. Hop, merci. Donne-moi vite le... Vite. Non, il se met devant. Non. 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 Eh ouais, mais qu'est-ce qu'il fout? Il s'est foutu devant. Mais non, mais je rêve. Mais je vais le zigouiller avec un coup de fusil à pompe, ce type-là, c'est pas possible. D'abord, il me bloque l'accès. Et ensuite, il me bloque la... Ah, la manivelle. Match retour. Hop. Oh là, il y a eu un freeze. Hop. Wow. Je me suis fait soulever par un... Mon dieu. Hop là. On passe. Alors lui, je te dis, lui va se faire défoncer. Oui, donc pas tant que ça du coup. Toi, touche-moi ça. Toi, t'es mort. Les munitions, vite. Mais vite, qu'est-ce qu'il fout? Donne-moi ça, vite. Il va me faire péter, c'est mort. Bah oui, c'est mort. Ah, j'avoue, je comprends pas ce que je dois faire. Parce que je sais même pas si j'aurai le temps de tracer en fait. Ça m'a l'air plutôt rapide. Hein. Parce que si je tire dessus pendant qu'il est en train de l'attraper, je suis mort. C'est chiant. Déjà juste ça, le fait que je dois toujours ramasser. Parce que si je m'embête à déblayer la zone... Ici, hein, pour pas que ça pète ici même. En vrai, c'est pas une mauvaise idée, mais est-ce qu'au plafond, il y a des trucs? Sans ça, je peux pas le bouger. Ah, si ça se bouge, mais c'est lourd, hein. Cours plus vite. Bah, je cours aussi vite que je suis con et con, mais c'est pas assez rapide, donc je pense qu'il y a un problème quelque part. Alors, la munition, je vais la garder dans mon sac. Ah, elle est pas vide, donc je suis pas là. Ah. On va faire plus simple. Alors là, si, avec ça... Il tient ce con, je le zigouille. Attends, mais je suis bête. Et toi déjà, t'es mort. Mais je suis trop fort. Moi. Et toi, chef. Alors j'attends qu'il fasse beau, ou qu'il a lumière du moins pour recharger mon arme, parce que j'avoue que c'est pas forcément très rapide ou très visible. Allez, donne-moi ça, toi. Là, il fait plutôt beau. Hein. Hop. Hop, à 5, c'est bon. Merci beaucoup. Et... Ah, non, c'est pas moi. Rends-le-moi. J'attrape. Hop. Let's go. Salut. Et merci encore. Hein. Ok. Donc effectivement, c'était pas la vitesse. C'était le sang. Donc là, on a du heal du coup au cas où, mais... Est-ce que j'ai besoin de heal? Même pas. Hein. Ok. Hop. En 3x3, faut pas...
Et en plus, j'ai pas rechargé. Bon, hop, j'ai compris. C'était pas là en fait. Non, c'était en arrière. Encore plus tard. Hé! Mais arrêtez de tous me le voler! C'est le mien! Merci! Oh! Tiens-moi les poils! Mais c'est la lumière qui grossit, regardez! Ouais, c'est pas forcément très. Ça, c'est Stray Echo, mais dans quelques jours, quand t'auras tué tous les zombies. Enfin, quand t'auras fait ton mode zombie. Ah, je peux pas refermer derrière moi comme ça là? Non? Bon, bah écoutez, au moins on aura essayé, hein. Ok, zone suivante. J'étais rien de la zone suivante. Mais me dis pas qu'on va faire tous les bâtiments à part, par contre, hein. Eh ouais, Echo, coup de pub, tu joues à Stray, let's go! Retrouvez Echo sur Stray tous les lundis sur Energy, Energy, épisode 3. Let's go! Moi, je suis encore à l'épisode 2 de Alix, je crois, non? Épisode 3 d'Alix aussi! Putain, mais Echo, on est trop fait pour s'entendre. Et la porte, elle s'est fermée toute seule. Ok. Ok, donc ça du coup c'est le cartel, c'est les gens qui sont... Alors je sais pas s'ils sont gentils ou méchants, mais pour moi ils sont vraiment méchants. Et ce sont ces gars-là. Hein? Hein, t'es mort? Pas bien, va. Coucou? Y'a quelqu'un? Tu voulais voir quoi, Wardley? Stray? Eh ben, ça tire en bas, regardez-moi ça! Mais c'est un Stormtrooper, lui, c'est pas possible! Il s'en fout! Je pensais au moins qu'il allait riposter! Bon, les trains ne se déplacent pas, c'est bon signe. Là-bas, il y a des barrières, du coup. Et je peux lui tirer sur... Du coup, ils m'ont vu. C'est bon. On se calme. Et je n'aboie pas, je suis pas content. C'est pas la même chose. Je vais quand même sortir ça, on sait jamais, je suis un fou malade. Est-ce qu'il y a des trucs à prendre dedans, là? Non. Coucou les gars, et tout. Ils sont déjà partis. Alors là, si j'en croise un, quick. Ok. Ça, du coup, c'est pour améliorer ses armes. Technique. Les fameux puzzles que personne ne sait résoudre... Yes. Let's go. Je peux pas taper au... Enfin, je peux les toucher au corps à corps, mais je sais pas si je peux les fracasser, parce que j'ai peur que si je fasse ça... Soit je me fracasse un ennemi, soit je me fracasse le bras contre le bureau. C'est au choix, mais à choisir, je choisis pas ma vie. Là j'en ai 20. On a un pointeur, c'est un viseur, on va pas le mettre comme là-dessus. On va mettre sa main. Non. Non, fusil à pompe. Tir double, chargeur automatique, lance-grenade. Wow, lance-grenade, gros. Bah écoute, je peux même pas lancer mon arme, Echo. Et la dernière fois, j'ai voulu lancer une brique sur un mec. Il a même pas pris de damage, genre. Après, c'est des zombies, hein. Wow. Je vois personne, il me tire déjà dessus. C'est quoi ces Wallhackers là? C'est quoi ces Wallhackers? J'ai même pas fait de bruit!
m'a fusillé, hein. 3 par 3. Allez, coucher. Merde, hein. T'as pas des munitions pour moi? C'est la moindre des choses quand même, frérot, tu m'as tiré dessus. Eh, hey, dis-moi que t'as des munitions. Psi. Ils ont jamais rien de toute façon. Et la question c'est pourquoi je récupère pas son arme, il avait une mitraillette, non? Ah tu sais, un CZ. Salut mec. Il met pas sa lumière, je comprendrai jamais. Hein. Parce que c'est pas moi qui mets la lumière, hein, c'est le perso qui le fait automatiquement. Ok, il y a déjà une petite bébête. Donc là, du coup, ça c'est de l'huile. Chic. C'est un peu futuriste, regardez ça. Ouais. Et ça, Echo, je te dis, tu feras ça dans quelques mois. Ça va changer maintenant. Ça va changer. 2 HP ennemi. 3 HP, let's go. Vraiment, je vois que ça consomme un peu là au niveau du jus. Ok. Bien foutu en vrai. Hein. Ça, c'est bien foutu. Il tire déjà. T'es mal les Wallhacker. Regarde-moi ces Wallhacker. Et le train il fait combien de kilomètres comme ça là? Ok. Il me tire déjà dessus. Alors par contre là ça va être vraiment un jeu de tir, je dois m'abaisser et tout. Allez c'est parti. Oh ça me rush, ça me rush, ça me rush. Wow, wow, wow. Ok, 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 ok. On a plus beaucoup de vie, hein. Ok. Je gagne un demi-cœur. Ok. C'est chaud et c'est vraiment sympa par contre ça. Ok. Il me reste que 10 balles. Mince. On met des chargeurs, c'est cool. On en a mis plein en plus. Il y en avait deux, hein. Plus un là-bas au fond. Donc est-ce que le premier m'a rush là, derrière? Est-ce que lui était... Ah bah de son, non, j'ai tué un mec là et un mec là. Ça fait 3. Le zombie d'avant, ok. Donc le mec qui était là, ok. Wow, 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 wow. En vrai, le jeu est super sympa dans cette ambiance-là. C'est mieux que les zombies. J'ai peut-être dû prendre le viseur. Ah! Wow! J'ai lancé un bonbon de gaz. Ah, ils ont des bonbons, ok. Vas-y, cache-toi, mec. Ok. Fouh! Sacré combat, hein. En vrai, super stylé, je suis vraiment content. Ça s'ouvre pas. Après, il y a peut-être un petit décalage au niveau de la caméra. Ou est-ce que c'est simplement le fait qu'il soit vraiment, vraiment caché et que moi, je les vois bien. Hop. Non. Allez, pep, reviens là, toi. Hop.
Salut toi, hein, t'es beau, bah ouais, t'es beau, hein. Elle fait bisous. Ouais. Voilà. Pas grand-chose. Y a rien. Non. Bon, là on va se battre contre des gens du cartel, donc on avait dit tout à l'heure que c'était peut-être des gentils, hein. Bah c'est vraiment des méchants pour le coup. Hein. T'es mal la bonbonne comment elle a éclaté, genre. Eh ouais frérot, tu es cringe, donne-moi ça. Hop. Ah! C'est moi le cringe du coup. Hein. Tac. Ok. Y'a rien dedans? Non. Est-ce qu'on peut pirater les portails peut-être? Non. Ah si. Ah, on peut rien faire pour l'instant. Ok. Bon, c'est pas grave. Hop. Allez, full vie, let's go. Je vais mettre en 3x3 parce qu'on est vraiment au corps à corps là. Hop. Là, je suis comment? Ah. C'est que ça doit pas être par là. Bon, moi, il y a des munitions. Hop. Ah. Waza! Et ouais. Du kung fu, mec. C'est-à-dire que là, il y a un méchant, il arrive. Bah! Je lui brise la nuque. Alors, au niveau de l'électricité. Alors là. Ça fait de l'électricité, là. Ok. Ok. Ça là. Et puis là, faut que je partage en bas. Donc, celui-là m'a l'air bon. Et les deux portails. Par contre, de l'autre côté, il faut encore activer les portails. Ah non, c'est bon? Eh ben, let's go! Hop. Oui, parce qu'on devait justement récupérer un train pour aller chercher mon daron qui était kidnappé sur Tatooine par Chewbacca. Et le poste est là. Il n'y a rien à récupérer derrière, peut-être? Non, il n'y a rien du tout. Hein. Là, le portail, on va pas s'amuser à le passer. Le terminal. Sacré terminal. Ok. On est bon. Tac. Le carton, il n'y a rien dedans. Ah, hop. Ah. Non. Oh, par contre, ça. Ça se casse pas. Let's go. Ça, il m'en faut par contre. C'est important. Et ça, ici. Des munitions de fusil à pompe. Let's go. Allez, pompe, je sais même pas combien j'ai de. Ok. Ah non. Hop, un casque de chantier. Et j'ai plus mon masque par contre. Ah oui, il me l'avait mangé tout à l'heure, c'est vrai. Et j'ai plus d'huile dans les mains. Ils m'ont tout pris. Après, j'ai pris ma quiche, hein. T'as vu le nombre de balles que j'ai pris ou quoi? Hop. Oula. Ok. Niveau mécanique, ça commence à arriver hein, au niveau des puzzles. Ça commence à être de plus en plus dur. Enfin, c'est normal, tu me diras, mais bon. La poignée. Hop, ils vont mettre des bébêtes encore, je pense. Ah, même pas. Eh ben. Si les bébêtes, elles sont là-dedans, je les vois. Hop. Hop. Voilà. Et là, du coup, c'est à moi de tourner. Il faut trouver un rayon. Parce que je trouve ça, moi. Rayon! Ah, il manque une pièce, frérot, mais. Dans le local technique, je vois rien de spécial. Et là-dedans, par contre, j'ai pas fouillé, effectivement. Oh! On est reparti pour un tour, là! Je suis en 3x3, ouais. Ok. Non!
Donne-moi ça! Hein? Non! Bouge, mon dieu! Bouge! Je me suis tiré dessus! Nom de Dieu! Il me reste 11 balles et au niveau de la vie, ça va. Maintenant, c'est mystère. Y'a rien. Alors, je vois pas grand chose non plus, je vous rassure. Donc là, y'a le disque. Y'a rien. Y'a rien. On va ouvrir cette machine? Y'a rien dedans, de toute façon. Donc, hop, donne-moi ça. C'est pas beau, hein? Une belle souris là. Voilà. Avec un bout de cerveau, je pense. Une souris, du cerveau. Et un câble connecté à je sais pas quoi. Hop. Tout ce qu'il me faut, hein. Ah, ti 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 ti. Let's go. Alors, les disques. Il faut que je fasse passer la lumière dans les petits cercles qui sont là-bas. Voilà. Là, si je monte un peu... Ici, là-haut, et là, hop, et tout est bon, nickel. Ok. C'est parti à 3. À quoi? Je suis enfermé. Ah, y'a rien qui va. On n'a pas beaucoup de temps, bah ouais mais frérot j'ai déjà tout fouillé. Bip 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 bip. Une commande manuelle. Il est où le train? Alix, c'est le nom de notre personnage. Alix, c'est le nom de notre personnage justement. Ça doit être quelque part là hein. Non, c'est même pas là. Mais où? Mais où? Entre deux peut-être, je sais pas, non? Mais oui, je keep looking. Ah! Oui, je keep looking. Au secours! Oui, je cherche! C'est ça! Oui! Poussez-vous! 10 secondes! On le dit où? Ah là! Non, je me suis loupé. Ah! J'ai trouvé la fin, mais c'est le mec qui l'a trouvé avant moi, genre. Je suis arrivé random, il m'a dit, bah là, appuie sur le levier. Mais comment ça, le levier, où ça? Du coup, Alix, c'est quoi? C'est un jeu post-apocalyptique que, où on joue un perso de la résistance, entre guillemets. Ah bah c'est bon, j'ai fini. Non. Ouais, bah, bref. Genre, j'ai perdu du coup parce que... Merde, je sais plus. Qu'est-ce que je disais? Oui, un post-apocalyptique que... je vais y arriver. Si j'ai bien compris, attention. Où notre perso fait partie de la résistance parce qu'il y a un groupe du cartel qui fait la police, qui fait tout en même temps. Et c'est le roi du monde, entre guillemets. Il y a des robots gigantesques et tout. Enfin, j'ai pas bien compris les robots gigantesques qui parlent pas trop de ça. Des robots de protection dans un monde futuriste, bref, c'est le bordel. Et donc du coup il y a de la résistance, mon daron il se fait kidnapper par le cartel justement. Il est dans ce foutu train et c'est à moi de l'arrêter ce foutu train. Alors déjà je vais loot là-bas parce que j'ai un petit peu de temps et je sais où est le levier. Hop. Est-ce que j'ai ramassé ça, ça me sert à améliorer mes armes. Genre le double coup, le tir par 3, ce genre de choses.
10 secondes, ah mais c'est quand je m'approche du levier qui me dit 10 secondes. Là c'est un switch, c'est un switch, c'est un switch. Alors là par contre... Ah oh, il va s'arrêter d'être le train. Wow, 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 wow. Wow. Ah ouais, il était au sol, frérot. Bon, au moins, ça a marché. Hein. Hop. Oui, au moins ça a marché. Hop. On va essayer de me foutre dedans. Oh, bah salut toi. C'était quoi ça? Ils sont bizarres, ils sont pas... Ils sont pas clean ces gens-là, hein, je vous le dis. Pas du tout ça? Non. En tout cas, ils ont pris leur quiche, ça fait plaisir. Par contre, c'est parti. Wow. Donc ça, c'est le daron, du coup. Ah. Sur une... C'est pas une boîte, c'est une planche. Eh, frérot, ah bah ouais mais... Ah mais là y'a... Ah y'a le micro. Ah y'a une lumière en bas. Ah mais c'est le collègue alien. Let's go. Ok. Cherche pas Echo, c'est le jeu. Une super arme, let's go, hein. Then we gotta steal it before they do. Yes. And look, look. I managed to pocket this combine data pod. If I can decrypt it, we can figure out how to use their weapon against them. So what's mais c'est un monstre en fait, mon daron. I'll take this thing back to Russell's and get to work. Wait, wait, where is the vault? Dad, where's the vault? Je comprends rien. Le défluxor. C'est quoi le défluxor déjà, Echo? Je le connais, mais je sais plus d'où ça vient. Une tasse d'or antique. Oh. Je peux sauter? Ah, il a mis la zone, ok. Ouais, I love you, allez. Hop là. Généralement je suis bon. Quoi déjà? Le casque vert est déjà quasi mort, ça va si vite. On a fait quoi? On a tenu même pas une heure. Ding. Ok. Alors ça c'est là. Ok. Après je m'en souviens plus, j'ai pas regardé. Non. Ok, ça là. Ça là-bas peut-être. Voilà, et ça ici. Il y a un nombre de fautes, hein, je viens de voir. Hein. Oula, oula, ok. Et j'ai remarqué que le casque commençait à partir, que le casque commençait à partir en cacahuète. Hein. Ou la main du moins quand j'avais plus beaucoup de batterie. Hein. Après, du coup, on perçoit qu'il recule pour rien, il bouge pour rien, donc c'est pas grave. Ça se joue, ça se joue, ça se joue. Ok, bah voilà, on a terminé. Let's go!
qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que ça part sur du computé ou est-ce qu'on fait... Si on pourra pas faire du VR là, c'est mort. Pourtant il était à 90... Non. 70% là. Et sur... son objet de couleur. Super Arm. Ok. Sauvegarder. Partie sauvegardée. Si je charge... Elle est là, let's go. On fait quoi là? Parce que j'ai du contenu, mais je sais pas quoi faire. Hein. Je sais pas qu'est-ce qui serait cool. Du Hades peut-être? Du piano encore? Je sais pas. Un jeu? Monster Hunter? Je sais pas. Je vais pas dire VR Chat. Beat Saber non plus. Hein. Ah, j'avoue, je sais pas du tout. Il me reste très peu là, je sais pas quoi faire. Qu'est-ce qu'il chaufferait là-dedans là? Qu'est-ce qu'il chaufferait? Alors, j'ai du Fall Guys, j'ai du Hades, Monster Hunter, Multiversus. Je vais dire notre Resident Evil, bon ça je laisse à Echo pour plus tard. Quand il aura le temps pépère. Worms, mais Worms ça m'a pas l'air. Après j'ai aussi Valhalla, mais Valhalla j'ai déjà commencé, donc ce serait pas intéressant. Pas d'idée du tout. Echo, si t'es chaud, viens, on fait un multiversus en 1v1, mec. En 1v1. T'es chaud ou pas? Il est mort, mec. Il est mort, Echo. Il est mort. Sacré vin du ouf. Ah. Alors, je vais mettre en pause le casque, enfin je vais mettre en pause, je vais le couper net. Hop, puis HS. Ok. Ouf. Alors, il est très fort possible qu'on se reçoive du piano. Parce que du coup, ne répond pas ce noob. Alors. Ah, j'arrive. Les sessions, je me rends compte qu'elles durent de moins en moins longtemps sur Alix. Est-ce que toutes les applis qui consomment beaucoup trop? Ou est-ce que c'est moi qui suis trop fort et que la batterie elle descend toute seule à une vitesse folle? Bien sûr, faut que je rechange tout. Hop. Ça arrive, ça arrive. Ouf.
Ok, le son est revenu tranquillement. Voilà. Le temps que je sorte le matos. Ah, y a un dinguerie à faire au piano ou pas? Quelqu'un qui veut quelque chose ou pas? À le dire maintenant. Sinon je vais partir en roue libre. Ok. Alors ça, j'ai pour le ranger. Hop là. Lance quelques applications, on est bon. Non, j'ai pas réglé par rapport à hier, hein. Il est comme hier. Ok. Aïe. Hop, j'ai changé de décor entre-temps chez moi. Qu'est-ce que je cherche? Ça. Oui, c'est un art de préparer ça, hein. Il faut des heures et des heures. Let's go. On est bon. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Très bonne question, ça. Y a pas une dinguerie à request? Hop, coupez-moi. Ok, là ça m'a l'air plutôt ok, non? C'est bon? Qu'est-ce que je vais faire? Un truc facile peut-être pour s'échauffer tranquillement. Le son est bon? Si j'essaye comme ça. Que j'ai ça maintenant du coup doigt plus dur. Ça tire rien à personne de toute façon, c'est comme d'habitude.
Non, comme ça, c'est bien. Let's go. Ça glisse avec le doigt, c'est chiant. Ça glisse, ça. Alors, commence. En plein milieu, je sais pas pourquoi. Go changer la catégorie quand même. Hop. Un peu d'entraînement et de détente. Hop, musique. Pas forcément quiz, juste musique. Let's go, c'est bon. Ah, et puis il fait chaud. Hein. On va essayer quelque chose quand même. Je sens bien celui-là. J'avais déjà fait il y a Perpète. Je ferai après, mec. À quoi matin? Thank you.
Le Roi Lion Echo, tu voulais laquelle du coup? Ah, le... Ah, je vois. L'hymne de la ville. C'est pas l'hymne de la ville, c'est l'histoire de la vie. Ok. Je crois que c'est celle-là. Je suis pas trompé quoi, hein, c'est bien celle-là. Hein. Parce que Ovela, mec, c'est pas du Maître Gims, hein. Bella. Ouh, Bella. Pas moi, Echo. Si je vérifie un peu. C'est quoi? Allez, rien à faire. Hop là. Y a plus de son. On va dire que ça marche comme ça et puis c'est tout, hein. Toujours le son est toujours bon? En vrai, le début était quick, la fin était ok, tiens. C'est comme Shrek Echo, est-ce que tu connais? C'est du Disney aussi. Hein. Si tu trouves la musique, bah je vais te dire GG parce que je peux rien te donner, hein, mais GG quand même. Thank you.
trompe à chaque fois. Putain, un monstre. Salut Tesla. C'est pas là d'un frérot. Oh là 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 là. Je te jure, Echo, c'est un calvaire de vivre avec toi. Mon Dieu. Qu'est-ce que c'est que ça? Echo, faut le foutre au feu, c'est pas possible. Il a jamais regardé Disney. Hein. C'est Hercule, frère. Bah ouais. Alors, qu'est-ce qu'il me fait, Echo? Sois bien, hein. Toi, t'as géchant depuis. Toi, t'es plus pareil. Comment ça va, Flush? Comment ça va, Tesla? Tranquillou? Peut-être si je fais celle-là, vous allez reconnaître. C'est un animé. Si c'est un animé, de toute façon, ça parle à tout le monde, de toute façon. Donc, je vais pas m'embêter à faire des musiques... Moi ça va tranquillou, mieux, un peu, encore un petit peu atteint, mais ça va, hein. Généralement ça va, je suis encore en vie. Thank you.
Let's go. Quelqu'un veut que je fasse un truc ou pas du tout? C'est des demandes. J'offre. Le direct, j'offre. Gratuit, pas besoin de points. Même si... J'avoue, j'économise pour une raison qui est totalement autre. Tant que c'est pas de la musique vénère du style vraiment... vraiment rapide, du style vraiment électro, ou je sais pas, quoi que électro en vrai, je peux en faire quelques-unes. Musique d'anime, je peux. Musique Disney, je peux. Musique années 80-90, je peux, certaines. Celle de maintenant, je peux. Bohemian Rhapsody, allez, on essaye comme ça. Hop. Évidemment, c'est des musiques que je pratique quasi pas ou pas beaucoup, hein. Ou même pas du tout. Ah! Monsieur, j'avais déjà fait celle-là. Let's go! Il y a longtemps, mais j'ai déjà fait. Oui, je sais ce que je viens de dire. Je sais ce que. Oui, 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 oui. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Je m'exécute. God. Après j'ai vu ça. Oh, attends, je m'enfuis là. Je suis parti où? Je crois que je suis parti en coup dès le début. Écoute, Rap God, t'es un malade. Et Tesla, évidemment que t'as mal. T'as vu la gueule de la musique ou quoi? En même temps, arrête. Thank you.
suis perdu. Je crois que j'ai changé de musique là. Non, ça va, c'est encore la même. Que des bonnes notes. Bon, j'oserais pas dire ça. Il y a autre chose ? Les dingueries ? Toi, tu vois, Tesla, le moment il a accéléré un petit peu, ça commence à partir en couille, mon cerveau il a fait. Vas-y, raconte-moi. Parce que, écoute, il m'a dit Rap God tout à l'heure. Hein. Rap God, je suis en sûr déjà. Hein. Parce que Rap God, ça ressemble à quoi? Bah ouais, normal, ouais. Harry Potter. Je peux Harry Potter? Ouais, je vois Rap God, frérot. C'est un peu comme si je faisais... Alors, faut que je me souvienne des touches. Pas les graphes, parce que j'ai pas l'habitude. La voix, je la ferai. Ah, que la partie vienne, oui, je comprends. Ok, ok. Je regarde un petit peu parce que je suis encore en mode échauffement là. Cut and Rose. Déjà, faut que je trouve la partie. Je fais Harry Potter juste après Echo. D'abord, je regarde ce que Tesla il me demande. J'ai November Rain. Celle que t'as, je la trouve, mais en vrai. Attends, monsieur. Oh, en vrai. Hein. Parce que même les notes, hein, je les ai pas toutes. Parce que si tu veux, la partition, tac, ça c'est ma touche du milieu, entre guillemets. Et puis je vois que ça descend de une gamme, deux gammes. Deux gammes, et ça touche encore après celle-là, genre. Ça, c'est les graves, ok, que je vois. Et au niveau des aigus, ça touche ici. Vous voulez dire ? Donc. November Rain, par contre, je peux. Ça, je vois, il n'y a pas de souci. Alors, j'ai jamais joué, elle dure 8 minutes 57. 8 minutes 57, mais t'es un malade. Un demi-ton en dessous. Bah si je commence à jouer encore les demi-tons en dessous, ça va être compliqué parce qu'après c'est pour les aigus que ça va être compliqué. Bon, on va essayer. J'ai jamais fait November Rain, jamais. Je sais pas si je la connais. November Rain. Thank you.
En aiguille, j'ai vraiment la dernière gamme, gros, hein, c'est une dinguerie. Hein. Thank you.
pas les touches. Ah! C'est un peu plus fast, Tesla. On a fait combien? 8 minutes de musique là? Combien? Fou! Chiche! Alors, écoute, on disait Harry Potter là? Harry Potter feat. Martin Garrix? Comment ça? Ah, j'avoue, ça existe. Alors, Echo, à défaut de te mettre du Martin Garrix Harry Potter, juste faire le thème d'Harry Potter, parce que on le vaut bien. Hop, 4, 3, let's go. C'est pas s'il fait chaud, c'est pas s'il fait chaud, arrêtez hein. C'est pas que j'ai jamais écouté Harry Potter, hein. Jamais. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Aux Champs-Élysées. Ah. Oh là, j'ai vu une dinguerie, c'est parti en cacahuète. Celle-là, elle est pas si dure à faire, mais en vrai, elle fait de l'effet. Si ma partition elle veut bien s'actualiser, let's go. Allez, c'est parti. Et go, let's go. Ben, bien sûr, let's go. Thank you.
c'est coincé. Ok. Là, plus de partition, je suis parti dans un délire solo. Alors, ce que je vais faire, c'est un dessin animé. Un début, parce que je fais que le début. Hein. C'est le début d'un dessin animé des années 90, 2000, ok. Ce dessin animé, c'est aussi une grande musique qui dure une quinzaine de minutes, mais qu'ils ont raccourci en 1 minute 30. C'est en normal comme ça. Faut que je trouve un orgue, attends. Attendez, faut que je trouve un orgue. Organe. Ok. C'est bon, ça c'est bon. Est-ce qu'on entend bien par contre? Ok. Personne n'a regardé Était une fois l'homme, quelle honte! Après, ouais, c'était mal foutu, mais c'est pas grave, ça c'est mon problème. Par contre, celle-là, si personne là, il mérite des claques, les gens. Mais des claques. J'ai bien musique aussi. J'ai baissé un peu, c'est bon, j'ai baissé. Hop. C'est parti.
Here's the world, let's go. Comment s'appelle cet animé? Merde, attends, je trouve plus. Je vais pas faire du Lil Nas, pas du Skibidi. Skibidi Wapapa. Skibidi Wapapapa. Non, on va pas faire ça. Indochine, non. Obsidio, non. Gilbert Montagnier, non. Undertale, même pas. It's a Road Jack, même pas. It's a road jack. I come back no more, no more, no more, no more. It's a road jack. Je trouve plus. Mince. Sous l'océan. Non. Ah, ça va être l'une des premières en plus, mince. On va se rabattre sur autre chose, c'est pas grave. Thank you.
être celle-là. Dernière avant que j'y aille, je sais même pas quoi faire. Je sais pas vraiment parce que je me souviens plus de ce que je vais faire tout à l'heure. Donc, s'il y a une demande, n'hésitez pas directement. Faites. Je vais passer comme ça. Hop, voilà. Si il y a une demande, faites direct. Dites-le. Autant que je sache pas quoi faire, il faut une dernière. Ah, je sais pas quoi faire. Let's go. Thank you.
Ok, let's go. Hop. Que dire? J'espère que ça vous aura plu. Alors, le micro. Pourquoi ça a dit au cinéma, il n'y a pas. Alors, pourquoi est-ce que nous, il y aurait? C'est ça la question. Donc, du coup, hop là. On est bon. Du coup, j'espère que ça aura plu. Que. Moi, j'ai beaucoup aimé, c'était sympatoche. La partie Half-Life, on la continuera plus tard, quand mon casque aura fini de charger, hein, s'il a réussi à finir de charger à 100% un jour les deux batteries. On espère, on sait pas trop. Ça, Half-Life, du coup, on a réussi à sauver notre daron, ouais. Et là, on est parti sur la super arme. La super arme, on va voir ce que c'est, ça doit être broken, on va voir. Ensuite, on a fait une petite partie piano. La partie piano, c'était super, je vous ai adoré. Hein. Hop, il y a eu quelques demandes. Insane. On m'a fait découvrir des musiques de ouf. Teslo, merci pour la musique. Je vais réécouter après avec les paroles cette fois. Pas qu'avec le piano. Même si c'est pas le piano, j'adore. Là, au niveau piano, la musique, j'ai beaucoup aimé. Hein, à la jouer, à l'écouter et à la comprendre. Quoique. Enfin, quoique, non, pas quoique. Quoi d'autre? À la fin, je suis parti en roulis, mais bon, c'est pas grave. J'ai une playlist de 1000 musiques au piano à faire, donc s'il y a besoin, j'ai de la musique. S'il y a des demandes, je m'entraîne, il n'y a pas de souci. Toujours pareil, on stack les points, je vous dis. Les points pour un stream, je vais le sniper ce stream, vous inquiétez pas. Il est dans le collimateur, ça va arriver très vite. Là, je suis à combien? C'est combien? Il faut combien de points? Il manque pas grand chose, hein. Il y a intérêt à faire attention, celui qui est concerné. Et seul lui le sait. Hop, sinon, quoi d'autre? Pas grand-chose, si ce n'est que je vous souhaite une excellente soirée. Tout ce qui est de la Team Tanuki, on se retrouve juste après, hein, en vocal, si y a besoin, si vous voulez jouer un jeu ou je sais pas trop quoi. Salutations! Et puis là, du coup, ça m'a fusillé. Hein. Ça, le fait que j'ai ça, au doigt, le pansement, ça glisse sur les touches, c'est chiant. Mais bon, on fait avec, hein. Salutations! Salut, salut!